Et bonjour, donc nous voici pour un petit tour de carte qu'on a décidé de mettre en grand classique, hein, puisque je vais vous présenter un sandwich que j'ai créé il y a de nombreuses années. Je ne l'ai jamais vu faire de cette façon-là, donc j'espère que vous allez être étonnés, parce que moi je trouve ça quand même assez intéressant. Donc je ne l'ai jamais montré, je décide de le montrer maintenant, et j'ai besoin de Thierry. Bonjour à tous. Pourquoi? Parce que il va faire beaucoup de choses, il va mélanger les cartes, je vais essayer moi d'en faire le moins possible. Et c'est parti. Donc Thierry, un jeu de cartes, 52 cartes, toutes différentes, très important. Toutes différentes bien sûr au niveau des faces. Et tu peux examiner si tu as envie et mélanger tout ça. Ça c'est très important, au moins comme ça on est clean. Jeu normal. Voilà, mais de manière on s'en fout parce que là on parle de sandwich. Donc t'as bien compris que on s'en fout de ce qui se passe. Je peux couper. Allez, tu fais ce que tu veux. Donc comme ça. Alors, qui dit sandwich dit que je vais avoir besoin de... Mayonnaise. Je ne sais pas. De deux cartes. De deux cartes. Et ces deux cartes, c'est pour moi les rois... tiens, le roi de trèfle et le roi de pique qui est ici. D'accord. Il y a les jokers, c'est pas grave. Il y a les jokers, c'est pas grave. Tiens, tu veux qu'on les enlève. Voilà, ça te perturbe. Voilà. Le roi de pique, le roi de trèfle. Alors très important que tu puisses constater qu'il n'y ait pas de doublon dans les cartes. Alors que j'ai pas deux fois le roi de pique ou deux fois le roi de trèfle. Et ces cartes peuvent être signées. Ça c'est très important. Parce que on pourrait penser que c'est forcément trop simple, hein, d'avoir des cartes. On insère là un petit peu où on veut. Donc je veux pas. Ok? Pas double face. Voilà. Il existe aussi. Je vais te demander, donc tu as mélangé les cartes. Je vais t'évider le jeu. Tu me mets le doigt sur une carte, n'importe laquelle. Il n'y a pas de forçage. On s'en fout. Une carte au hasard? N'importe où. Hop là. Celle-ci, tu la regardes. Elle est belle. Voilà. Même si je la vois, c'est pas grave. L'as de cœur. C'est bon. Carte magnifique. Tiens, cette carte, je vais me retourner. Et tu vas l'insérer n'importe où tu veux dans le jeu. D'accord? Très important. Passe en bas, bien évidemment. C'est bon. C'est bon? J'ai fermé le jeu même. T'as refermé le jeu? Ouais, il fallait. Ouais, non, mais c'est très bien. Au moins, comme ça, on pourrait pas penser que je vois l'emplacement. C'est bon? Ouais. Maintenant, tu récupères le jeu que t'as fermé. Ouais. Vas-y, prends-le. Et tu mélanges? Ah, je peux le mélanger, voilà. D'accord. Maintenant, je peux me retourner. Donc, même moi, je sais pas où elle se trouve. Bah, déjà, là, ça part fort. Alors, c'est vrai que tu aurais pu signer ta carte aussi. Je ne te l'ai pas fait faire, mais on peut signer la carte. Très important. Maintenant, il va se passer deux trucs. Avec un petit peu de chance, est-ce que la première carte correspond à la tienne? Non. C'est pour ça que je te le demande, parce que si c'est ça, tu remélanges. Il n'y aura aucun intérêt. Est-ce que la dernière carte correspond à la tienne? Non. Non? Alors, regarde ce que je vais faire. C'est très simple. Maintenant, je vais étaler et je sais que ta carte et forcément entre la première et la dernière. Et je vais venir placer les rois un petit peu n'importe où, comme ça, dans le milieu du jeu. Et j'espère, hein, que ta carte est ou soit entre les rois, enfin, il vaut mieux qu'elle soit entre les rois, parce que si elle est à l'extérieur, il se peut que ça ne peut pas fonctionner. Et regarde bien, hein. Et j'insère tout ça comme ça. Donc il y a quand même quelques cartes entre les rois. Tout ça, c'est mis à l'intérieur, et je vais mélanger. Alors je vais couper, hop. Et je vais mélanger. Et couper. De cette façon-là, je ne sais pas si tu penses que c'est possible, mais les rois se sont ou soit écartés, oui. C'est possible, mm-hmm. Ou soit rapprochés. C'est pour ça que je ne les ai pas mis trop à l'extrémité, autrement c'était fort possible qu'ils ne pouvaient pas plus s'éloigner que ça. Là, le tour, il est fini. Oui. Alors, s'il est fini, c'est beau. Mais est-ce que tu imagines quand même si les rois ne se sont pas éloignés, mais se sont tellement rapprochés qu'ils ont pris en sandwich une seule et unique carte? Moi, j'ai des beaux sandwichs. C'est parce que si tu me dis qu'il est fini, c'est que ça a marché. On essaye? Regarde. Tout doucement, j'étale. Oh. Et il s'est passé un truc. C'est que entre les rois, je te laisse le soin de les prendre, juste les retirer. Il y a une carte. Oh, bien vu. Est-ce que c'est ta carte? Ouais. Ça fonctionne. Et je te laisse le soin de laisser les cartes ici. Et bien évidemment, d'examiner le jeu. Regarder qu'il n'y ait pas d'autres rois. Oui, mais ça en a vu. Non, mais joli. Hein. Ici. Et là, bizarre ça. Hein. C'est vrai que je t'ai souvent vu le faire, mais il y a des années. Ah ben. Tu m'as jamais montré parce que je t'ai jamais posé la question. Et je l'ai fait combien de fois à l'association et je l'ai jamais expliqué. Et
moi, je m'attardais pas sur les sandwichs, mais comme on en a expliqué quelques-uns, maintenant, je connais les principes. C'est pour ça que je retournais les rois tout à l'heure. Exactement. Je connais les principes, mais là, balèze. Ben, on se demande comment c'est possible. Ouais, facile. Ah, ça reste relativement très simple. Je peux le faire. Oui. Alors, facile. Oui, oui. Bien. Il n'y a aucun souci. On peut expliquer ? Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Quelque chose, encore une fois, donc, de très facile, effectivement. Mais c'est une façon de faire que j'ai jamais vue. Alors, je ne l'ai jamais vue du moins décrite. Hein. Bon, je n'ai pas tout lu non plus, malheureusement. Enfin, heureusement, d'ailleurs. Mais voilà, donc du coup, je m'adresse la paternité de cet effet, parce que ça fait des années et des années que je l'ai fait. C'est quand on avait le début de l'association, donc ça remonte à plus de 10 ans. Et j'ai jamais vu décrit ça, donc voilà. Et comme on est en train de sortir des petits trucs encore de classiques et d'impensables, ben, du coup j'ai décidé de le montrer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mettez des j'aime, au moins on sait ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, donc et ça nous permet de continuer dans ce sens ou dans ce sens-là, voilà. Mettez des j'aime, ça fait toujours plaisir. À bientôt.